Oui, ça dit que c'est vrai, mais on t'y a mal compris. Parce que Xangeli y a vraiment dit pour poster pour nationalité, il faut qu'on ait 5 ans à faire résidence dans le pays Chili. Mais Chili, il y a plusieurs types de résidence. Il y a résidence temporaire, il y a résidence définitive, il y a résidence étudiante, il y a résidence religieuse. Donc, il y a pile résidence, mais il n'y a pas dit spécialement qu'on est obligé d'avoir 5 ans avec résidence définitive. Genre, ou même, vous faites comprendre. Peut-être que si vous avez un bon côté, vous avez un et attendre des informations de vous-même, l'attendre il y a 5 ans avec résidence définitive là pour le récit qu'a posté pour nationalité. Mais il n'est pas ça. Souris au Chili, premièrement, dans un moment nous connaissons là, c'est le monde qui a privé avec visa familial pour qu'on comprenne bien. Et si par exemple en 2020, mari ou bien madame ou bien maman ou papa vous reprennent, ou arrivez au Chili avec une résidence temporaire. 2020, 2025, ou bien tant qualifié pour poster pour nationalité à pour poster de résidence définitive. Parce que sous Libye, on peut extranger, il a dit. Et il faut qu'on ait 5 ans. Avec résidence là, mais on met une parenthèse à compter de la première visa qui est due origine à la résidence définitive. Ça veut dire. Ça veut dire premier visa que vous avez gagné son résidence temporaire, c'est lui-même qui t'a vint bas aux résidence définitive que vous gagnez. Ou commencez à compter depuis le premier visa jusqu'à ce que vous arrivez sous 5 ans et puis vous arrivez sous 5 ans au cas posté. Mais imaginez que vous avez dit si vous avez 5 ans avec résidence définitive. Pas de monde Chili presque qui t'a posté pour bas ça. Ça veut dire qui l'a si vous faites tout ton Chili ou recevez une résidence définitive, la faut attendre 5 ans pour poster avec elle. Non, il n'est pas comme ça, mon vieux. Donc, moi, je souhaite que nous comprenions la vidéo, ça. Amen.